On est combien aujourd'hui? Le 6? Nous sommes le mercredi 6 juillet. Il est beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, on va faire une excursion. On va aller à Agios et Spinalonga. Spinalonga. Avec un barbecue tapeur. On a vu des photos. Le barbecue se fait sur des grilles de chantier. C'est vrai, totalement vrai, aucune blague. Hein. Ce matin, je mange une banane parce que hier, je me suis tellement gonflée que je vais couler dans l'eau, tellement que mon ventre est lourd. Du coup, on s'est mis en maillot de bain, on va se baigner, on va visiter pendant 1h30 Spinalonga. Ensuite, barbecue, baignade, sautage du bateau. Ça, j'aime bien ça, sauter du bateau. Et arriver dans une eau glaciale. On va être comme ça en mode. C'est trop froid. Après barbecue et après Agios, c'est là où mon père est allé quand il est parti en Crète. Et il y a plein de maisons colorées et tout. On a rendez-vous à 7h45 devant, juste devant. Donc ça c'est pratique. Let's go, on a pris la GoPro, le masque pendouille. Tout va bien. Elle est bien cette sacoche, elle est bien. Nous sommes dans le car. C'est la première fois que dans un car j'ai autant d'heures de route, mais que je ne puisse pas dormir puisque le mec grille toutes les priorités. Les stops, il ne les voit pas. Du coup, les voitures, il ne les voit pas non plus. Et c'est hyper désagréable. J'aime. Donc nous sommes arrivés sur le bateau, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent, c'est parfait, on va prendre des coups de soleil. Là on va à la Spinalonga, c'est une petite île où on va visiter pendant 1h30. On va pouvoir manger un barbecue là-bas et aussi se baigner. Donc c'est vraiment cool, on est avec des Français, des Allemands, des Anglais. Les lunettes vont s'envoler. Je peux conduire le bateau, Mimi? Trop beau! Nous sommes arrivés sur l'île, on a galéré, c'était un bordel. Un bordel sans nom pour rentrer. Moi c'est gratuit pour rentrer, ma soeur c'est toujours payant et 8 euros. Et la mer est super belle, on s'est pris des giclées là-bas. Mais des giclées, t'as peur. On a eu l'eau froide dans le dos et on a eu un vent. Mais un vent sur le bateau! Je me serais cru dans un sèche-cheveux ou une machine à laver, un sèche-linge, je sais pas, quelque chose. C'était quelque chose. Du coup, on a payé 8 euros et 0 euros pour aller dans la forteresse de Spinalonga. C'est bien, on se rajoute un groupe de guides. J'espère que c'est français. Oh, c'est trop.
trop beau. Mais ça pue. Oh, regarde tous les cactus. Oh, vous savez combien c'est à Truffaut, ça? C'est minimum 60 balles. Hein? Il y a un spot photo là. Un spot photo? Ah ouais, spot photo. Ma soeur, instagrammeuse professionnelle, suivez-la sur les réseaux. Oh là là, 1 million de followers. Oh my god. Beautiful. Sur la découverte des figues. Pourquoi il n'y a pas de figues? Ah, oh, mais il y a des bébés figues là-bas. Oh merde, putain, on y retourne dans. Oh, regarde, ouais, il y a plein de figues. Oh là là. Mais... Putain, Mimi, mais. Mimi, aide-moi la main. Aide-moi là. Je chiale, j'en ai marre. On est toujours bêtes, Mimi. Du coup, on s'est trompé de sens, on a pris la sortie au lieu de l'entrée. C'est beau. Même là, c'est beau, regarde, c'est en train de construire ma maison. On peut avancer parce que tu sais, on n'est pas du même sens. Justement. Ah, c'est pour pas avoir honte. Je m'en bats les couilles. Peut-être faut dire chute, on peut pas parler trop fort. On peut pas parler trop fort, je sais pas. J'aime trop. On est vraiment les seules connes à avoir pris le sens inverse. Vraiment, on est incroyable. C'est beau. Hein. Surtout quand c'est gratuit pour moi. C'est un meilleur goût. Une petite porte à tata et Mimi. Mimi, un chacha. Beauty. Oh, on dirait un sphinx, alors que c'est un européen. Il est trop chou. Ah ouais. Me faire un pote. Bonjour toi. Hola. Calimera. Il va me bouffer, Mimi. Il va me bouffer. Oh, il est tout doux. Ah, il a senti la bouffe. Ouh. Il sent la bouffe, ce pot. Il a tout compris. Dès qu'il y a de la bouffe gratuite, il y va. Il y va? Ouais. Il a senti la bouffe, il sait, il connaît. Oh, est-ce que t'as un Chopin là? Ah ouais, non. Oh ouais, Mimi, il y en a. Attends, est-ce qu'ils sont bons? Oh, attends, il y a du raisin bizarre là. Attends, c'est... Oh, Mimi. Ah, j'arrive pas, attends, tiens-moi ça. C'est le vin du Christ. Oh, regarde, tu veux une fleur pour tes cheveux? Non. T'es sûre que tu veux pas une fleur pour tes cheveux? Tu veux une photo ici, ma soeur? Oh là là. Pourquoi tu mets pas à contre-jour? Je me mets à contre-jour. Alors, les photos... Appareil photo. Oh oh, hihi. Bon, on vient de finir de visiter la forteresse. Notre guide est en jean. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas. Je suis en maillot de bain, je suis à bout. On a rencontré des Français. On était tous perdus. On savait plus où est-ce qu'on était. On savait plus où est-ce qu'on devait être. Ah, tu vois, c'est la sortie, Mimi. Finalement, on a bien écouté. Ouais. Bon, là, on revient sur notre bateau. On a fini la visite. Il est midi 19. Ça a duré une demi-heure, la petite visite guidée qu'elle nous a faite, la guide. On devait la retrouver. Et du coup, on retrouve notre bateau.
Oh my god, Mimi. Oh my god, Mimi. Oh, je me chie dessus. On se met où, sœur? En bas. Pourquoi en bas? Mais en bas, ouais, en bas, c'est pas mal. Bon, on est en train de déjeuner. Ça, c'était le barbecue qu'ils ont fait sur des grilles de chantier. Non, je déconne. Là, c'est un Fanta sans bulle. Un Fanta. T'as tout bu? Putain, c'est tellement dégueulasse ce truc. Mais on dirait un médicament, exactement. Salade de tomates, concombre, feta avec du ping et une orange. Voilà. Avec cette trop belle vue. On vient d'arriver à Agios Nikolaou. Dans le cas, j'avais envie de dormir. Putain, j'ai tout ça, t'as rien écouté. J'avais la bouche comme ça, là, ouverte. Ah, j'étais en mode, laissez-moi. On va aller se balader. Est-ce qu'il paraît, il y a des maisons, tu sais, qui sont colorées, Mimi. Genre de toutes les couleurs, enfin, de ce que j'ai vu sur les photos du site. Ah, et j'ai aussi reçu une mauvaise nouvelle. Bah oui, parce qu'on est vraiment des bouffons ici. Attends, je remets mes lunettes. Notre excursion de demain, qui était donc prévue de demain, et ben il m'envoie un message aujourd'hui en me disant bonjour, ben en fait c'est prévu pour vendredi, voilà, pas demain. Merci. Du coup, on peut pas vendredi, on ne pourra pas faire l'excursion, je suis dégoûtée, parce qu'on devait aller à Lacané, à Rétimnon, etc. Du coup, on va aller à Rétimnon en bus, on ira se faire un petit brunch avec des pancakes et du café. Un cappuccino, s'il vous plaît, je peux plus. Ah, il y en a trop de touristes là. Je sens pas celui-là, tu vois. Je sens que là-bas, il y en a un peu mieux. Ouais, et du coup, bah voilà, on sera pas, on n'en fera pas l'excursion de demain, mais on va se démerder quand même. Ah, rien. Ah ouais. Moi, j'ai envie d'un goûter. Et ici, ils vendent des loukoums. On a bégayé, on s'est dit, bah tiens, c'est Crète, c'est crétois. Et non, c'est turc. Pourquoi pas, hein. Ah, Mimi, viens, achète ça. C'est des tsarouchi. Je sais pas, des tsarouchi. Faut qu'on achète des magnettes. On aura que des magnettes, genre de la graisse. Oh merde. Dans quoi on est foutu, Mimi, là. Dans quoi on s'est foutu. Oh, il est mignon, lui. 3 euros. Les choux. Oh là là. On a trouvé la rue des touristes. Oh, et les magnettes. J'aime bien celui-là. Des magnettes. Je mets des magnettes. Je veux des magnettes. Oh, elles sont trop belles, les plantes. Trop jolies. Viens, on prend ça. C'est des petites jambes. Tirait bien, non? C'est un sac à dos.
avec des pieds. Ah, du coup, c'est plus cher ici, tu vois, que là où on était. On s'est toujours pas fait arnaquer, hein, tu vois. Même l'arbre, il est beau. Quoi ? Même l'arbre, il est beau. Ouais. Tu peux pas te mettre dedans ? J'ai peur. Hein ? J'ai peur. Tous les coups, il y a des termites, Mimi. C'est vraiment trop mignon. Voilà, moi j'approuve. Mais de base, je réitère, il y a bien des maisons en plusieurs couleurs et tout le bordel. Hein. Je ne sais pas où elles sont, c'est plutôt une maison de merde. On va redescendre, on n'a pas acheté de conneries, Mimi. Peut-être en repartant comme ça, il y a des conneries qui vont nous plaire. Ouais. Mais il faut qu'on achète une connerie, Mimi. Moi je pense que je vais acheter les gâteaux. Ah, les fameux loukoum turcs crétois. Non, pas les loukoums. Les halva. Ouais. Et tu prends des baklava aussi parce qu'ils vendent des baklava. Non, mais c'est pas. C'est notre pays, ça, Mimi, les baklava. Ouais, oh, c'est mignon. Oh, c'est chou. Oh, c'est trop beau. Moi, j'aime gamelle. C'est trop mimes. C'est trop mimes. L'envolée de pigeons était magnifique. Je sais pas si t'as vu, Mimi. On est les premiers, yes. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Oh my god. C'est beau, hein. Bon, on vient de rentrer. Il est actuellement 19h06. Je sais pas si on vous a bien repris pour l'excursion à Agios Nikolaos. Là, c'est Saint-Nicolas. Il n'y avait pas grand chose à faire là-bas. En fait, c'était juste beau. Il y avait beaucoup de bars. Ça me faisait un peu penser à Palavas les Flots, en fait. Donc on est juste monté, on a regardé un petit peu la vue et après on est redescendu parce qu'on avait que 1h15. Mais en soi, les excursions, de mon avis en tout cas, c'est que c'est bien organisé. Tout le monde est à l'heure, ça c'est bien, il n'y a aucun retard. Quand c'est 7h45, c'est 7h45. Quand c'est 16h45, tout le monde est là, tout le monde est dans le bus. Donc ça c'est bien organisé. Après au niveau du temps, dans les villes, je trouve que c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de moins. À part si on veut manger, si on veut se poser, boire un verre et tout, là, il faudra un petit peu plus longtemps. Mais nous on se pose pas, on dépense pas dans les boissons. On fait des trappes touristes, on regarde les maisons, l'architecture, on prend des photos, etc. Mais c'est vrai qu'on se pose pas pour boire un verre parce que franchement on n'a pas vraiment le temps pour ça. Et au niveau de la chaleur, etc., franchement ça va, c'est supportable. Pourtant il fait 33 degrés, il fait super chaud de base, mais en fait il y a du vent, donc franchement ça va, c'était vraiment agréable, enfin toutes les excursions sont agréables je trouve, et tout est très bien millimétré et organisé de ce que je vois. Donc j'essaierai de vous mettre les liens des, si je les retrouve, parce que même moi sur de mon portable je les retrouve pas, mais le lien des réservations, des excursions qu'on a faites. Donc on a tout fait sur getyourguide.fr. Donc c'est une. On est donc allé se baigner, donc c'était vraiment bien, l'eau était super chaude et tout, franchement, enfin chaude, elle était vraiment agréable. On pouvait rentrer au calme, on n'a pas vu de poisson, mais bon, moi on s'est amusé avec ma soeur et tout, avec la GoPro, on a fait vraiment plein de conneries. Je sais pas si je vais tout vous mettre au montage, mais il y a eu beaucoup de choses assez gênantes. C'était bon, à part le Fanta sans bulles, c'était dégueulasse. Tout le monde avait des Fanta avec des bulles, bah nous on avait du Fanta sans bulles, donc on était ravis. On a fait Saint-Nicolas, c'est très touristique je trouve, mais je trouve Héraklion beaucoup plus joli que Saint-Nicolas, vraiment. Donc voilà, et pour les petites maisons que je disais, les petites maisons de couleur, en fait c'est pas Saint-Nicolas, c'est Rétimnon je crois, ou la Canée. Et donc en fait dans le car j'étais vraiment dégoûtée en fait que l'autre là il ait annulé l'excursion la veille. Franchement je trouve ça déplorable, j'ai vraiment pas apprécié. Donc du coup j'ai fait une réclamation à PayPal et j'ai fait une réclamation aussi sur le site, comme ça au cas où voilà on est remboursé. Et donc je suis allée regarder quand même excursion, Rétimnon, la Canée et le lac qu'on devait faire aussi demain. Et on avait une de disponible. Oh, j'étais ravie, en plus moins cher. Donc bah écoutez, je l'ai prise, je l'ai achetée. Et donc on va quand même à Rétimnon demain, on fait quand même l'excursion. Donc j'espère qu'ils vont pas m'appeler en me disant on annule. Mais en plus ils viennent nous prendre juste en face. Donc ça c'est vraiment cool. Franchement super sympa cette petite journée. Ouais. L'eau est super bonne. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais. Vraiment pas. Moi non plus. Non. Bon, les poissons, ils n'étaient pas là. Oui, par contre, zéro niveau poisson. Mais ouais, non, bonne petite journée. On a découvert de beaux petits coins. Ouais, c'était joli. On s'est fait gicler à la figure de l'eau.
Ouais. Mais plusieurs fois, genre Posidon, il nous a dit tiens, allez, hop. Allez, tiens, c'est pour toi. Non, mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Et ma soeur a pris des coups de soleil de partout. L'histoire de l'île de Spinalonga, elle est bien. Franchement, c'est une jolie petite île. Ouais. J'ai bien aimé ça. Non. Ouais, c'est, en plus c'est bien millimétré comme tu disais, c'est bien organisé. Ouais, ça c'est super parce que personne n'est en retard. Personne en retard, c'est bien. C'est génial quoi. Après on a quand même eu 2 heures de bus aller, 2 heures de bus retour, parce qu'en fait on allait chercher tous les gens. Ouais, mais ça nous a permis quand même de découvrir d'autres petits villages et... Et des hôtels de luxe. Ah ouais, des hôtels de luxe, malade. Des hôtels de fous. Mais au final on regarde pas du tout Héraklion, je trouve que c'est une belle petite ville. Ouais. Il y a plein de choses à côté pour voir et tout, donc pas mal de tout. Et du coup, oui, je vais me laver, on va prendre l'apéro, on va manger ce qui reste, peut-être faire les sandwichs. Et après, on va aller se boire un café. J'en peux plus, je veux boire un café. Parce que là, on avait dit, ouais, si on fait pas Rétinon et tout, on se fait un brunch avec des pancakes et du coffee. Et du coup, pas de café. Donc bref. On va essayer de on va faire un avant après. Avant. Et voici le après. Magnifique. Beauté des îles. Oh my god. Ouh. Ouais. Je veux un café. Je veux un fucking café alors qu'il fait 26 degrés actuellement. Non, il fait 22, je sens 21. Allez. Et je veux un café. Je veux un cappuccino. Je veux goûter leur super café parce qu'ils ont des coffee bars partout et je n'ai toujours pas bu de café et ça m'énerve. Du coup, on va chercher un café. J'ai pas goûté leur Virgin Mojito non plus, Mimi. Il est trop chou. Là, c'est une autre place qu'on vient de trouver. Elle est trop mignonne. Il y a une petite boulangerie juste là. Il y a des petits restos juste là, une pharmacie. Wow. Mocha Mocha, j'aime bien Mocha Mocha, moi. C'est un peu ouvert. Et tu veux un café là? Ah, ils vendent des cafés. Bah, sûrement Mocha, c'est le café, non? Je sais pas. Mocha. Regarde, j'avoue, ils ont des trucs de café. Du café coco, café fraise. Ah ouais? Café, je sais pas quoi. C'est beau. Mais je sais pas. Non, je pense pas qu'ils le fassent. On a trouvé d'autres rues à Trap-Touris. On aime trop. Trop bien. On va trouver des magnettes. J'en peux plus des magnettes. En plus, ils sont beaux leurs magnettes. Hein. C'est immense, Mimi. Et ici, ils vendent de la beuh au calme. Enfin, du CBD, quoi. Je chienne. C'est trop. J'ai trouvé un petit spot trop mignon. Je ne sais pas comment s'appelle cet endroit. Il y a peut-être ce prénom. Ouais, là, juste là. Voilà, là. Thank you. Bah, c'est ce nom-là. Après, vous vous démerdez. Hein. Ma soeur est au téléphone avec son copain. Mais admirez ça. J'ai un cappuccino. Oh my god. Oh là 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 là. Elle a pris une petite limonade. Que tu peux encore mieux reconnaître. C'est énorme. En fait, au niveau des photos, on dirait que c'est petit. Mais quand on est en face de soi, c'est énorme. Ça, c'est 4 balles. Même ça, c'est trop beau. Trop mignon. Je sais pas comment ça s'appelle cet endroit, mais vous avez une petite terrasse, elle est trop mignonne et je pense que personne ne sait qu'il y a une terrasse. Oui, j'arrive. My person arrive. T'as les toilettes à côté si tu veux. Oh, c'est trop mignon, très pittoresque. Ah, mais il y a des jeux de mie. C'est ce que j'ai vu aussi. Oh my god. Oh la gueule qu'on a. On est vraiment des arnaques, Mimi. Je suis toujours moche. Je peux me jeter des fleurs, mais ça va quand même. Ça va, on arrive à se reconnaître. Oh. J'arrive pas avec ma couette là, j'ai du mal. Mais en même temps, faut m'expliquer. Pourquoi il plie les couettes ? Dans quel hôtel on fait ça ? Pour faire un lit, on te plie ta couette. En 4 ? Non, tu mets le drap dessus. Tu mets le drap correctement, quoi.
Mais non, mais ils font pas ça. Je comprends pas. J'ai du mal là. Ils te défont ton lit en fait. Ça n'a aucun sens. Parce que moi, il était quand même assez bien fait ce matin, tu vois. Même quand tu le fais bien, et ben ils te le refont mal. Grave. Genre, tu sais, elle avait replié la couette. Tu sais, il avait fait une petite bordure. Ouais, ça encore, ça passe. Mais encore, il l'avait mal moi, fait. Moi, il y avait la bordure ce matin quand je suis partie. Ouais. Mais quand je suis revenue, elle avait plié les deux couettes. Enfin, les deux draps. Séparément, je me suis fait chier à superposer, tu vois. Et voilà, elle a niqué mon game. Je comprends pas. De toute façon, on dort sur des nappes. Ouais, c'est clair. J'ai trop l'impression d'être dans une nappe. Moi, j'ai l'impression d'être à la morgue. Ah oui, comme ça. C'est comme ça, tu sais, là. Flipper. Je te jure, on dirait qu'on a la morgue. Avec le bras comme ça. Ah ouais. Et même la petite étiquette sur l'orteil. Ah. Bon, petit récap de la journée. Oh, je te jure, on dirait vraiment que je suis morte. Non, mais j'ai pris des couleurs. Bon, résumé de la journée, c'était une bonne journée. On se calme. Pardon. Je peux même plus parler tranquillement ici, c'est fou. On a pu constater les différentes façons de manger une orange en fonction des pays. Les Allemands ne savent pas manger d'orange. Qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, il y a des gens qui nous ont parlé. Moi, je suis associable. Je déteste parler aux gens. Et mais ils étaient gentils et tout, mais moi, je préfère rester avec ma sœur. Laissez-moi en paix. J'aime pas quand les gens nous suivent et font ami-ami avec nous. J'arrive pas. J'ai un gros problème avec ça. Alors que ma sœur, elle est en mode « Ah, ça va !» Et on est rentré, franchement c'était le revirement de situation ça, on est rentré donc de cette excursion là, on a pris une petite voiture qui nous raccompagnait chacun à nos hôtels, et comme par hasard on est rentré avec un mec, et le mec au tout début à 8h du matin il nous a pas calculé du tout, genre limite le bonjour il fallait lui arracher la gueule, et au retour en mode « Hey les filles je vous donne mon numéro et tout, venez on va se voir bien avec des jeunes gens machin et tout, mais... t'es qui frère? Je te connais pas ». Ma soeur continue de parler avec lui en mode et moi j'étais en mode je vais rentrer, j'en pouvais plus. Et voilà, très bonne crêpe. On s'est beaucoup arnaqué ici en crêpe parce que les prix sont tellement pas chers qu'on se dit que c'est des petits trucs, c'est pas des énormes choses. Et en fait, quand on a le plat en face de nous, on voit le morceau, on se dit mais c'est pas possible que pour 4 euros on a tout ça. C'est vraiment un qualité, rapport qualité-prix qui est vraiment très très bien. Alors qu'en France, ma crêpe là que j'ai mangée, elle coûterait au moins 8 balles, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment pas cher du tout au niveau bouffe. Là, il nous reste 26 euros de budget pour bouffer en 2 jours. Je pense que ça ira, enfin, on peut peut-être déborder un petit peu, mais ça, franchement, ça va. C'est vraiment pas cher, c'est entre 5 et 8 euros le plat à chaque fois, donc c'est des gros plats, vraiment, on arrive vraiment bien à se rassasier, donc ça c'est cool. Et j'ai bu mon cappuccino, je suis ravie, j'étais la plus heureuse du monde. Et voilà, donc demain le programme excursion, j'espère qu'ils vont pas annuler à 8h13. Donc on va bien s'amuser, on verra demain, on va dormir, on est fatigué. C'est pas des vacances, c'est la première fois que je me lève aussitôt. Il n'y a qu'en vacances que je me lève aussitôt, Mimi. Moi aussi. Je me lève jamais en dessous de 9-10 heures. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Il n'y a qu'en vacances que je me lève à 7 heures. Mais bon, si on veut visiter, voir du paysage, moi je déteste faire bronzette sur une plage, ça sert strictement à rien. Payer des hôtels de luxe et rester comme ça à glander, alors que t'as des choses à visiter, autant rester en France quoi. Autant aller à Paris plage, c'est pour faire ça ou rester sur son balcon. Donc voilà pour cette journée, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.